tous, c'est Joël de Picastore, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc enfin, je dis bien enfin, l'ouverture des coffrets, donc collection rouge et bleu, Dracaufeu et Tortank. Je dis enfin donc parce que vraiment j'ai privilégié l'envoi des coffrets aux clients comme d'habitude, donc vous n'imaginez pas la frustration que ça a été de voir passer tous ces coffrets et de ne pas en ouvrir un seul. Donc là, pour le coup, ben, c'est chose faite, je vais les ouvrir, enfin. Donc il n'y a pas d'exclusivité, je suis loin, très 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 loin d'être le premier. Mais bon, c'est pas très grave, moi ça me fait plaisir de les ouvrir parce que vraiment, ce sont des coffrets vraiment magnifiques. Les cartes Full Art, Dracaufeu et Tortank sont vraiment top. Voilà, bon, les boosters Génération sont top aussi. Bon, petit bémol, vraiment un gros bémol concernant la qualité, vraiment la qualité de ces coffrets français par rapport aux coffrets anglais. Alors les coffrets anglais, vraiment le carton est bien costaud, bien solide. C'est vraiment très très bien emballé. Et là, comme toujours, bon, mais les coffrets français, on a un carton tout pourri, tout fin, qui se déforme dès qu'on les entasse un peu ou que dès qu'on les manipule. Et en plus, ils nous ont rajouté par-dessus un papier film qui se déchire, qui s'abîme assez facilement. Et en plus, la petite carte promo, très, très, très souvent, se promène un peu dans tous les sens dans la boîte. Donc ben, voilà, donc c'est beaucoup plus cher en français et la qualité n'est pas au rendez-vous. Ben écoutez, on ne peut rien y faire. Et puis, l'un dans l'autre, ça n'a pas empêché parce que, bon, je peux vous annoncer quand même que ces coffrets-là, Dracaufeu et Tortank, pour ma part, ça a été un record absolu de vente. Je n'ai jamais vendu autant de coffrets que ces deux coffrets-là. Voilà, je ne parle pas des Pokébox et tout ça, mais en termes de coffrets, voilà, pour moi, c'est un record absolu. Je n'ai jamais vendu autant de coffrets que ces deux coffrets-là. Donc, bon, c'était prévisible, hein, gros succès, hein, c'est vraiment des coffrets magnifiques. Donc bon, c'est pas vraiment une surprise. Bon, on attend avec impatience les coffrets Pikachu et bien sûr, j'ai oublié le nom, Florizarre, voilà. Merci pour ceux qui ont soufflé. bon, voilà. Et bon, petite parenthèse aussi concernant ces coffrets. Il y a des niveaux de rareté différents. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet déjà, il y a quelques photos qui circulent concernant, bon, bien sûr, un coffret Dracaufeu avec... Au lieu d'avoir la petite Dracaufeu, il y a une petite Tortank à la place, donc c'est une erreur d'usine, bien sûr. Donc voilà, avec une jumbo Dracaufeu, mais une régulière Tortank, et inversement, hein, j'ai vu aussi passer une photo avec un coffret Tortank, avec la jumbo Tortank, et la carte normale Dracaufeu. Donc bien sûr, ça c'est des coffrets hyper rares, c'est des erreurs d'usine. Donc si vous en trouvez un magasin, n'hésitez pas, prenez-les, gardez-les, parce que c'est des coffrets qui plus tard auront un peu de valeur. Concernant aussi la rareté des coffrets, il y a aussi une petite astuce au niveau des boosters. Comme vous pouvez le voir sur celui-ci, ce Dracaufeu-là, il y a deux boosters Tortank devant. Et si vous faites bien attention, c'est quand même assez difficile à trouver des coffrets avec deux boosters identiques, qui plus est donc devant. Les deux boosters identiques devant. Alors, pareil, dans les magasins, si vous regardez, faites attention. Si vous en trouvez un, prenez-le, gardez-le fermé, parce que c'est des coffrets qui vont se vendre, je pense, plus tard, un peu plus cher que le prix actuel, et parce que c'est quand même assez rare. Habituellement, on trouve les quatre boosters différents dans les coffrets. Et donc, les doubles boosters, c'est assez rare. Alors, les triples boosters, c'est-à-dire trois boosters identiques, c'est encore plus rare. Et alors, les quatre quadrilles, les quatre boosters identiques, c'est rarissime. Si vous en trouvez un, gardez-le précieusement, parce que c'est quelque chose qui va valoir assez cher. Donc, voilà. Déjà, je vous présente un coffret donc avec double Tortank. Ce n'est pas celui-là que je vais vous ouvrir, parce que justement, dans tout ce que j'ai reçu, il y en a un qui est arrivé un petit peu explosé. Voilà, le pauvre, bon, il n'a pas souffert, hein. Voilà, donc il arrive un petit peu explosé, donc ben, c'est celui-ci que je vais vous ouvrir maintenant. Je ne pouvais pas expédier ça à un client, donc bon, ben, à le garder, autant l'ouvrir en vidéo. Donc ben, voilà, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Ces coffrets sont vraiment tip-top. J'ai pas beaucoup ouvert de booster génération. Mais par la force des choses, puisque vraiment ces boosters sont quand même exclusivement trouvables dans les duo packs ou les coffrets, donc ben, du coup, j'en ai pas spécialement ouvert beaucoup. Allez. Non, vraiment, cette carte Dracaufeu est topissime. Vraiment, chouette, chouette, chouette. Ah ouais. Déjà, la Tortank, j'avais eu la Tortank anglaise lors de l'ouverture. Vraiment, la Tortank anglaise était tip-top. Allez.
si j'arrive à sortir. Alors pour le coup, les cartes promo se baladent souvent n'importe où dans le coffret. Et là, quand je veux la sortir proprement, j'y arrive pas. Voilà, ok, super. Hop, allez, voilà. Bon, ben écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Magnifique carte foulard Dracaufeu X. Enfin, top, vraiment tip top. Ben, de toute façon, les cartes, les quatre full art des coffrets rouge et bleu sont vraiment magnifiques. Heureusement, parce qu'ils ont fait vraiment les choses en bien, hein, c'est les 20 ans. Et il y a une pluie de produits, de coffrets qui arrivent. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça sur mon Facebook. Donc, il y a une pluie de produits qui tombent. Et vraiment, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors, magnifique Dracaufeu full art. Hein, magnifique. Magnifique. Hop, allez, je mets ça là. Je vais sortir la jumbo aussi. Ouais, jumbo magnifique aussi. Ouais, tip top. Vraiment à la hauteur de sa réputation, le Dracaufeu. Magnifique carte. Allez. Allez, je vais enchaîner parce que j'ai beaucoup parlé au début. Je vais enchaîner avec les 4 boosters. Bon, ben, voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ben. Habituellement, ben, il y a les quatre illustrations dans les coffrets. Donc, il est assez difficile de trouver 2 boosters identiques. Et alors, encore qui plus est, 3 et encore plus 4 boosters identiques dans les coffrets. Donc, si vous, je le répète, si vous en voyez dans les magasins, prenez-les, n'hésitez pas. C'est des coffrets qui vont valoir assez cher dans le futur. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je n'ai pas vraiment pas beaucoup ouvert de... Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup ouvert de booster. Donc je ne me rappelle plus. Il y a un petit tour de passe-passe, je crois. Mais bon, je ne le fais pas, c'est pas grave. Allez, donc on est parti. Chenipan. Mélofée. Bonita. Magikarp. Donc la Magikarp qui est en promo dans le magasin Toys R Us. Donc maintenant, c'est sac de nœuds, il me semble. Machopper en reverse. Allez, on attaque la Radiant Collection, numéro 27, Timmy. Un magnifique Léviator rare. Magnifique. Stalgamin. Toujours la Radiant Collection. Je vais les mettre ensemble. Hop. Crustabri. Crisacier. Et voilà, et c'est tout. Et on continue. Allez, le booster Dracaufeu. Hop, hop, hop. Une petite énergie commune, énergie obscurité. Ramolos. Paras. Rhinocorn. Fantominus en reverse. Oh, petit Nymphaliex de la Radiant. Petit Nymphaliex de la Radiant Collection. Bon, on arrive à sortir quand même pas mal d'ex hein, dans les boosters génération. Entre ceux de la série génération et ceux de la Radiant Collection, généralement, on arrive à choper quand même pas mal d'ex. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. Hein. Allez, Nymphaliex. Magnifique. Magnifique Nymphali. Hop. Ah, une holo. Grolem holo. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Grolem holo. Ah ben, dans le même booster, une holo, une ex. Je prends. Hop, City Gris de la Radiant Collection, carton rouge et Pokéball. Allez, on enchaîne le troisième booster, Florizarre, de ce coffret, OG bleu, Dracaufeu. Allez, Nosferapti, pardon, énergie métal, Magmar, Paras, Kikli. Petite rare en reverse. Oh, Pierroli Full Art. Ben, magnifique. Je l'avais chopé dans le coffret Tortank en plus. Coffret Tortank anglais. La Pierroli, eh ben, je la chope en français. Ben voilà. Il n'y en a pas assez dans la série. Ben, je chope deux fois les mêmes. Ça m'énerve. Allez, Pierroli. X. Magnifique. Kikli, ben, le même que tout à l'heure, mais pas en reverse. Germignon. Nosferalto. Et Melodelph. Allez, on continue, on finit même avec le booster Pikachu. Booster Pikachu. Allez, énergie combat pour commencer. Miaouss. Magmar.
Pikachu, qui était aussi, qui faisait partie des cartes promo Toys R Us. Fan Club en reverse. Sucroquin, holographique de la Radiant Collection. Scarabrut, un rare. Reptincelle aussi de la Radiant Collection. Et Monsieur Mime. Et pour finir, un petit maillet écrasant. Ah bah écoutez, petit tirage, bon petit tirage non, mais bon, on va dire quand même que c'est quand même sympathique. Deux ex de la Radiant Collection, une petite holo aussi avec Rolem. Écoutez, c'est un petit tirage sympathique, ça fait plaisir toujours. Vous retrouverez bien sûr toutes ces cartes sur le site picastore.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mon petit Facebook aussi. Je ferai un petit concours avec des ouvertures de booster à l'aveugle. Pour les plus de 500 likes sur mon Facebook. Et donc, ben voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours aussi fidèle. N'hésitez pas à consulter donc mon site picastore.fr. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous trouverez toutes ces cartes à la vente et bien plus avec des cartes japonaises, avec du Force of Will, du Yokai Watch. Voilà, plein de petites choses sympathiques et mignonnes. Donc n'hésitez pas à visiter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et à dire que vous aimez eux ou que vous n'aimez pas aussi, hein, c'est possible. Allez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui est probablement le coffret Tortank rouge et bleu. Allez, ciao ciao!